Lewis, nous voici maintenant dans une sortie de bunker à 10 mètres du trou. On est sous le green. Qu'est-ce que tu nous préconises? Bah, la première chose à déterminer, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Donc le résultat là, c'est qu'on veut une trajectoire de balle assez haute et on veut que la balle s'arrête assez rapidement sur le green parce que, comme tu disais, on a uniquement 10 mètres et on a surtout peu de place entre le bord du green et le trou. Donc pour ça, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de mettre en application certaines bases fondamentales et on a surtout besoin du bon matériel. Donc là, en l'occurrence, j'ai un 60 degrés sans wedge. Je dis ça parce que je vois certains de temps en temps qui ont des sans wedge avec pas assez de loft. Rien qu'il y a quelques temps, j'ai vu un amateur jouer avec un 53 degrés. Donc là, en l'occurrence, vous avez beaucoup de mal à sortir du bunker et arrêter la balle rapidement. Donc 60 degrés dans les mains et j'ai beaucoup de bounce sur mon club. Donc ça aussi, le bounce, on en a besoin dans ce type de situation. Tu as quoi toi dans les mains, Michel? Moi, j'ai un 56 degrés avec 10 au niveau du bounce. Donc le bounce, c'est top. 56 degrés, peut-être qu'on peut varier entre 56 et 60. Plus 58 et 60, c'est le top du top. Maintenant qu'on a le bon matériel dans la main, on doit s'organiser d'une façon très particulière. Alors montre-nous, allez. Je veux tout d'abord parler de la problématique. Souvent, je vois beaucoup d'amateurs de golf qui ont tendance à s'organiser de la façon suivante. Les pieds très peu écartés, un peu moins réduits que la largeur des épaules, qui se tiennent un peu trop droit dans la balle, devant la balle, et puis de ne pas utiliser finalement le loft du club, donc d'avoir cette tête de club qui est assez square. Ça, c'est bien quand on a une attaque de green, donc avec un fer, on veut compresser la balle, mais là, en l'occurrence, on veut faire lever la balle et on veut glisser, on veut utiliser la semelle du club pour glisser sous la balle. Quand on va s'organiser de cette façon, comme je le disais juste avant, le problème, c'est que l'angle d'attaque va être trop en descendant et on va prendre soit trop de sable et puis la balle va partir trop loin et va beaucoup rouler. Là, en l'occurrence, ça ne loue pas beaucoup parce que j'ai un 60 degrés. Mais oui, beaucoup de gens se seraient contents de ta sortie. Là, en l'occurrence, j'ai presque voulu la louper, mais je n'ai pas. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, nous dire, parce que c'est souvent une question qui revient, à quelle distance tu fais pénétrer la tête de club derrière la balle? Ouais, ça c'est une très très bonne question. En fait, ça va se trouver quelques centimètres juste derrière la balle. Alors, ce que je fais à l'entraînement, et ça peut-être que vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est que je trace une toute petite ligne derrière pour me donner un point de repère. Ça, c'est un excellent feedback qui va vous donner tout de suite le feedback que vous avez besoin pour savoir si vous avez contacté le sable avant ou après cette ligne. Donc, ça existe depuis le début des temps, cette ligne, mais c'est vraiment extrêmement efficace. Donc, ça vous permet de déterminer tout de suite si vous êtes bon ou pas. Ouais. Mm-hmm. Donc, la façon, alors justement, tu en parlais de cette ligne. Mais là, en l'occurrence, si je m'organise de la façon où je me tiens trop droit, le stance réduit, face de club square, je peux toujours rentrer au bon moment dans le sable, comme tu l'as pu l'apercevoir juste avant. Par contre, la profondeur du divot va être trop profond. Oui, parce qu'il y a souvent une incompréhension entre prendre plus ou moins de sable, oui. Mais on ne sait jamais, enfin à part nous, c'est notre métier, mais les amateurs ne savent jamais si c'est trop de sable dans ce sens, oui. Ou trop de sable dans la profondeur. Voilà, on dit toujours prends du sable, du sable, projette du sable sur le green. Mm-hmm. Là, comme tu l'as dit très souvent moi aussi de mon côté, je vois soit des élèves qui prennent trop de sable ou pas assez. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer le rôle de ce sans wedge d'abord dans le bunker et la façon dont on doit s'organiser. Ça va nous aider à avoir un divot optimal. Donc, première chose que je préconise, c'est quand on est devant la balle, on écarte le stance un peu plus large que les épaules. Ensuite, on va baisser un tout petit peu les fessiers, donc on va être presque dans une position squat. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de sport à la salle, vous allez presque avoir cette sensation de baisser avec une barre sur les épaules pour juste baisser les fessiers. Attention de ne pas baisser dans ce sens-là. Ça aussi, je le vois très fréquemment quand je dis baisser les fessiers, les gens ont tendance à faire ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment écarter les pieds plus d'une largeur des épaules. Là, on baisse un peu les fessiers. Ça, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous voyez le grip là. En l'occurrence, avant j'étais là, maintenant le grip va commencer à descendre un tout petit peu. Tu prends un angle entre ton club et le bras. Voilà. Et ça va m'aider à avoir un angle d'attaque un peu moins vertical. Donc ça va m'aider à glisser plus facilement sous la balle au lieu de creuser dans le sable. D'accord ? Et donc d'utiliser ce sans wedge pour ce qu'il a été conçu à faire dans un bunker, c'est-à-dire glisser. D'accord ? Donc, absolument. On a parlé un petit peu du stance, on a parlé de la façon un petit peu où je vais m'organiser devant la balle. Maintenant, c'est très important quand vous avez du loft d'ouvrir le club. Alors, un point de repère extrêmement simple que vous pouvez avoir, c'est utiliser les stries de votre tête de club et les pointer vers le milieu de votre pied gauche. Donc je dessine une ligne pour déterminer mon point d'entrée dans le sable et une deuxième ligne qui va être dessinée au milieu de mon pied gauche et c'est là où je vais pointer les stries. Ça va vous donner une face de club qui est ouverte d'une façon optimale parce que très souvent on dit ouvre la face et la face elle est soit trop ouverte dans ce sens-là, soit elle n'est pas assez. Là on voit que les stries sont pointées au centre de mon stance, là on voit qu'elles sont pointées à l'extérieur dans mon pied gauche. Donc vraiment le point de repère c'est les stries
au milieu de mon pied gauche. Et là, tu soulèves un point important parce que pour nos amis amateurs, eh bien, cette ouverture du club peut être mal comprise parce qu'on peut très bien orienter à droite son club, oui, ou, comme tu viens de le faire, l'ouvrir dans les règles de l'art. Absolument. Sachant bien sûr que quand on oriente à droite un club, il s'ouvre aussi. Oui. Souvent, la crainte, c'est que lorsque vous ouvrez le club, vous avez l'impression que vous allez partir à droite. Oui. Alors, comment enlever cette crainte, Lewis ? Alors, je veux dire qu'à l'ancienne école, on disait, tu ouvres la face de club, tu t'alignes à gauche pour que la face de club maintenant soit parallèle ou soit en ligne avec le drapeau. Le problème avec ça, Michel, c'est que je trouve que si on est trop aligné à gauche, on va avoir un plan de swing qui va venir trop vers la gauche comme ça. Donc ça va faire l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut glisser la tête de club sous la balle. Mm-hmm. Si je suis trop aligné à gauche avec une face de club qui est même en ligne avec le drapeau, mm-hmm, le chemin de club va être trop négatif, donc je vais swinger vers la gauche et l'angle d'attaque va être trop descendant. Et on va rester dans le bunker. Et on va rester dans le bunker. Donc mm-hmm, cette idée de se dire, je m'aligne à gauche, j'ouvre la face de club, mm-hmm, c'est pas forcément ce qui va vous aider le plus souvent. Et ce que je voudrais, c'est dire, comme tu dis, en fait, il faut faire la distinction entre ouvrir la face de club et l'orienter vers la droite. Voilà. Souvent, je vois des golfeurs, quand ils ouvrent la face de club, ils vont l'ouvrir plutôt dans ce sens-là. Là, elle est orientée vers toi. Donc, le fait déjà d'avoir ces stries qui sont orientées vers le milieu du pied gauche, ça déjà, ça va nous permettre de ne pas être trop ouvert ou de ne pas être orienté à droite. À partir de là, oui, je vais m'orienter légèrement sur la gauche, mais pas autant que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Avec les sandwiches modernes, on ouvre beaucoup moins qu'avant, sauf sorties très spécifiques. Absolument, et surtout quand j'ai un 60 degrés dans les mains. Et c'est pour ça que je favorise, Michel, plus de loft sur votre sandwich pour vous éviter d'essayer de manipuler de manipuler d'une façon ou d'une autre. Donc, en gros, le message que tu dis, c'est utiliser le club qui existe. C'est-à-dire, vous avez un 60 degrés, c'est fait pour vous faciliter la vie, profitez-en, utilisez-le. Donc, pas beaucoup d'ouverture de corps. Par contre, tu es très attentif à la précision de la face de club. Oui. À évidemment ta posture. Oui, regarde comment je viens m'ancrer dans le sol, tu vois, je viens baisser les fessiers. Ouais. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, je vais avoir cette sensation de pouvoir glisser maintenant sous la balle, mm-hmm, au lieu de me tenir tout droit et de venir un peu creuser comme ça, dans ce sens-là. D'accord. Presque alors, est-ce qu'on peut dire, Lewis, qu'on est presque dans un fonctionnement de ricochet au niveau du bras ou pas du tout? Alors, pour aller rejoindre un petit peu ton point de vue là-dessus, j'allais en parler un tout petit peu, c'est que l'idée, c'est d'essayer de garder cette tête de club là où elle est, à l'impact. Donc, la raison qu'on veut qu'elle soit ouverte à l'adresse, mm-hmm, c'est pour retrouver une position. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, donc moi j'aime bien sentir qu'à l'adresse, que je viens glisser ma main droite un petit peu en dessous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter dans le bunker pour permettre de juste avoir cette ouverture nécessaire pour venir la retrouver dans ce sens-là. D'accord. Plutôt que d'essayer à chercher avec sa main droite. Donc la main droite, j'aime bien la sentir plutôt comme ça, plutôt que d'essayer de la fermer comme ça. D'accord. Après, ça, c'est juste... C'est une sensation, donc, comme ceci, d'accord ? Oui. Mais sans tomber dans cueillir, qui serait de faire tomber l'épaule vers le sol. Donc ça, non, l'épaule va bien vers l'avant. Oui. Et le mouvement de la main, ici, c'est de bien passer en dessous. Ouais, t'as tout compris. D'accord, en fait, c'est évident, quand on arrive en dessous, il faut surtout pas tomber dans le piège de vouloir la soulever dans ce sens-là. Absolument. C'est vraiment le corps, il reste là où il est. J'aime bien avoir senti une pression à 55-60% maximum sur ma jambe gauche. D'accord. Mais je suis presque au centre, je suis presque 50-50. Mais 55-60 sur la jambe gauche pour vous aider un tout petit peu. Et à partir de là, j'aime bien sentir que le poids il reste centré. Et là, je viens glisser avec ma main droite en dessous au lieu d'essayer des... Ce qui va lui donner de la hauteur. Ce qui va lui permettre de faire le club, ce qu'il a envie de faire. C'est passer en dessous, effectivement créer de la hauteur. Et là, vous allez voir que la balle va s'arrêter très rapidement. Ah bah parfait, montre-nous. Ah, c'est magnifique. Grosse crédibilité de l'explication avec cette belle démonstration. Bravo, Lewis. Merci beaucoup. Et puis là, on peut voir effectivement le divot. Tu vois, la ligne a été là. Je suis entré un tout petit peu avant, mais le divot, lui, il était optimal. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs, je pense, la première fois que j'entends une explication comme ceci, très personnelle et très efficace. Bravo. Merci, Michel. Bravo. Merci beaucoup. Alors, je vais faire... Je ne vais pas renchérir sur toutes les bonnes choses que tu as dit. J'y adhère à 100%. Pour ma part, j'indique simplement que par exemple, avec la configuration dans laquelle nous sommes, légèrement en montée, je vais plutôt, par confort, prendre un 56, un peu plus de puissance sur mon sandwich. Mm-hmm. Mais je vais, en fait, me focaliser sur le rythme.
Ouais, super. Voilà, je vais me focaliser sur le rythme. Vas-y. Donc en complément de ta technique, moi aussi je suis très attaché au point d'entrée. J'ai vu que ton point d'entrée était très précis. Hein. Ouais. Tu as tapé à un endroit presque un centimètre avant la balle. Hein. C'est vraiment du très très bon niveau. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas aussi précis que Lewis et vous avez besoin d'entraînement, eh bien visez peut-être 3 cm. Ça sera déjà un bon début. Bien sûr, vous aurez moins d'effet à l'arrivée au niveau de votre balle. Alors, pour ma part, je fais exactement la même chose. Donc moi, effectivement, je m'ouvre très très peu et je vais mettre une balle assez à gauche. Je vais mettre une balle assez à gauche et je vais faire une ouverture de corps, mais comme si j'imaginais, par exemple, que je suis dans une horloge et que la ligne de mes épaules est vers le drapeau à midi, eh bien, je vais la mettre à 11h, tout simplement. Voilà, sans abus. Voilà, sans abus. Je laisse ma face de club vers le drapeau, donc ouverte, ce qui revient au même, et je fais bien attention que le shaft ici vienne bien sur l'aine gauche. Une fois que j'ai cette position, eh bien j'ai plus qu'à gripper un peu plus court et puis à me mettre dans cette fameuse sitting position, mais sans faire l'erreur de s'asseoir, bien sûr, comme tu l'as dit. Une fois que je suis ici, je vais me concentrer sur la stabilisation de mes appuis que tu as préconisé de te mettre à gauche. Donc pour ma part, je vais rester sur 50-50. Ouais, c'est ça. En raison de la pente, c'est ouais, tout. Ouais, hein. Ouais, ouais. Et une fois que je suis ici, maintenant pour moi, c'est du rythme et de bien tourner avec la face de club. C'est-à-dire, je vais associer le mouvement de ma hanche droite à ma face de club. Voilà, ce qui est une autre sensation, mais qui devrait revenir à la même chose. Ouais, donc même si celle-là a pitché un peu court, enfin là en l'occurrence avec le 56, ouais, la balle va rouler un peu plus. Ouais. Et je peux juste rajouter quelque chose, ouais, bien sûr, Michel, bien parce sûr. Que en fait ce qui est top, c'est finalement de rejoindre un petit peu nos deux, de se rejoindre au milieu. J'ai beaucoup aimé certaines de tes explications. Et puis il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le piège, hein, parce que je voulais rajouter ça avec les mains, quand on ouvre la face et quand on veut absolument garder cette face de club ouverte, souvent les gens vont faire un peu comme ça. Et c'est très important dans le bunker. Là où j'ai vraiment commencé à bien jouer dans un bunker, c'est quand j'ai commencé à laisser le club jouer. Donc on l'entend très souvent, cette expression « laisse le club jouer », ben ouais, mais concrètement ça veut dire quoi? Ben, quand on arrive au moment de l'impact, c'est de sentir que finalement le grip, parce que j'ai bien aimé quand tu as dit le grip reste là au centre, à l'aine gauche, à l'impact, et j'aime bien sentir qu'il reste là aussi, presque comme s'il s'arrêtait au moment de l'impact et que le club lui passait. Continue. Voilà, donc la tête de club elle continue, mais le grip lui, il reste là où il est. Et ça va vous donner la sensation de faire vraiment plus glisser la tête de club. Tu peux te reprendre la position? Ouais, bien sûr. Donc, pour synthétiser les informations, donc la tête de club ne va pas évoluer comme ceci. Voilà, ouais, ouais, exactement. Mais comme ceci. Voilà, et on peut pas. J'aime bien, en fait, là où je joue l'autre genre, c'était l'horloge. J'adore ça. Tu vois, le fait de dire le drapeau il est à 12h, moi je m'oriente à 11h, c'est parfait, c'est exactement ça où on veut, 11h. Et puis si on est trop vers 9h, ce qui est souvent le cas parce qu'on a dit bah, il faut que tu t'orientes à gauche, bah, le problème c'est que justement on va faire comme ça. Et là, c'est pas bon du tout. Là, on n'arrive pas à laisser la tête de club jouer. Donc, voilà, le fait de pouvoir échanger comme ça, ouais, c'est top. C'est le but. Faites une association des deux. Et... Absolument. Merci beaucoup, Lewis. Merci à toi.